C'est une rencontre de haut niveau. 48 heures durant, président d'institution de la République, décideurs politiques et acteurs de la société civile ont assez les réflexions sur la lutte contre l'impunité et la corruption. L'honneur me soit de prendre la parole en ce début de cérémonie pour souhaiter la bienvenue à vous tous qui avez accepté de distraire quelques minutes de votre précieux temps pour venir participer aux travaux de la deuxième édition des Journées nationales de la gouvernance au Bénin. Les Journées nationales de gouvernance constituent un cadre inclusif et participatif pour une meilleure gestion des finances publiques, un vœu cher au gouvernement du président Talon. Dans son discours sur l'état de la nation le 29 décembre 2017, le président de la République a souligné et réaffirmé la nécessité pour notre pays de s'engager résolument dans la lutte contre la corruption. Il s'agit là d'un des nombreux chantiers au programme des réformes du programme d'action du gouvernement. Les nombreux dossiers que notre gouvernement a eu à connaître en 2 ans sont éloquents et disent combien le mal est profond. L'initiative est salutaire et vient renforcer les avancées du Bénin en matière de lutte contre la corruption. Je me réjouis avec tous les acteurs des progrès réalisés par le Bénin, avec le bond d'une place de classement de l'édition 2017 de l'indice Mo Ibrahim de la gouvernance en Afrique, en occupant le 14e rang sur 54 pays avec un score de 59 sur 100 en gouvernance globale. L'édition 2018 des Journées nationales de gouvernance aura permis au Bénin de renforcer son système de lutte contre l'impunité. Nous pouvons retenir que des dispositions ont été prises avec des recommandations très claires à l'endroit du gouvernement, à l'endroit du Parlement, à l'endroit de la Cour constitutionnelle, pour qu'ensemble, on puisse conjuguer les efforts pour que la lutte contre la corruption prenne une tournure beaucoup plus facile. En organisant ces journées, le Bénin s'engage pour la tolérance zéro en matière de bonne gouvernance.